Bonjour à tous et toutes. Alors, on continue avec nos 60 secondes sur la blockchain. Aujourd'hui, la question est, peut-on faire confiance au système? Ben, par construction, la blockchain ne nécessite pas de point de confiance, ce qui veut dire que la sécurité du système ne nécessite pas un organisme comme une banque, un gouvernement, etc., un intermédiaire pour garder le secret, la sécurité, la confidentialité, etc. Donc, il y a toujours un problème de sécurité dès que la première utilisation. C'est-à-dire que si on télécharge un programme, est-ce qu'on a confiance? On appelle ça TOFU, Time of First Use. Donc la sécurité est le point clé et c'est la création du compte, l'enregistrement. Et après, tout le système repose sur une formule mathématique et la sauvegarde de l'identité des utilisateurs. Donc, les formules mathématiques, elles sont valides pour les 5, 10, 15 ans qui suivent, parce qu'il y a des avancements dans les ordinateurs qui font qu'au bout d'un moment, on ne sait plus assurer la sécurité, dans la mesure où elles reposent sur un problème qui est insolvable à la date de conception. Et donc, mais ça avance avec la recherche, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et l'identité, est-ce qu'on sait se faire confiance? Un porte-monnaie blockchain, un porte-monnaie Bitcoin, c'est juste une adresse, un numéro. Est-ce qu'on est capable de garder les clés de manière secrète, individuelle ou pas? Donc c'est ça. Après, il y a des bugs logiciels qui sont, mais ils sont résolus par le fait que chaque robot participe dans un système de consensus. Donc s'il y a un bug qui n'est pas majoritaire, il n'a aucune influence. Et puis il y a de la redondance, le fait que les systèmes sont distribués à plusieurs machines. Donc la fragilité du système, c'est uniquement la préservation des clés secrètes de manière individuelle. Évidemment les ressources en énergie, capacité de communiquer. Donc si on n'a pas de réseau, si on n'a pas d'électricité, le système s'écroule. Voilà, donc pour la confiance, c'est uniquement ces points-là.